une tarte aux fées. On pourrait le mettre dans le coffret gourmandise avec une. Voilà, c'est l'histoire d'une. Regardez. Dodo, c'est qui? C'est dur à savoir. Hein. Eh bien, c'est un papa. Regardez, ça ressemble pas à votre papa, ça? Et c'est un papa gourmand. Il va faire des tartes, il va se passer quelque chose, regardez. Et c'est l'histoire d'une tarte et d'une famille. À partir de cette famille et de cette tarte, vous allez éclater de rire. C'est drôle, c'est comme les dessins. Vous allez pouvoir vous amuser en famille. Regardez, c'est super sympa, hein. Ça s'appelle La tarte aux fées de Michael Escoffier de Di Giacomo, c'est chez Frimousse. Alors ça, c'est vraiment mes préférés de chez mes préférés, hein. L'autre, j'aimais bien, mais c'est les filles. Et pour une fois, les filles et moi, on a le même goût sur ce truc-là. Ça s'appelle Le singe, c'est Rue du Monde de David Cali et de Folie. J'adore ce truc. Regardez la qualité du dessin. Les illustrations. Alors c'est très simple, hein. On est au zoo. On est au zoo. Et puis il y a une maman singe et puis un petit singe. Et puis le petit singe, qu'est-ce qu'il voit? Il voit les gens qui viennent le voir. Et lui, son truc, c'est de vouloir vivre comme les humains. Et il va se passer une chose, et ben il va aller vivre chez les humains. Alors regardez, regardez, c'est absolument magnifique. Les dessins, j'adore. Regardez ça, c'est très 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 joli. Pour moi, c'est un des plus beaux albums de l'année. Et puis ce petit singe, il va se rendre compte que porter des vêtements, porter des chaussures, c'est pas si drôle que ça, même s'il adore. Qu'aller à l'école, c'est pas si drôle que ça. Mais il a une chose, c'est qu'il est super doué en musique. Il joue du saxophone comme un dieu. Il va, regardez, comme un dieu, et il sort des fleurs de son saxophone tellement il joue bien. Il va être adulé par tout le monde, mais il se rend compte qu'il n'est pas un homme, donc il est tout seul quand même. Il a beau être célèbre, et puis un jour, et ben, il va être sauvé parce que il va rencontrer Élise. Et c'est un très 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 joli livre sur la différence, sur l'amour, sur faut pas essayer d'être autre chose que ce qu'on est, il faut aller jusqu'au bout des choses. C'est absolument magnifique. Ça s'appelle Le sage rue du monde de David Cali et de Gianca Folli. J'adore de chez J'adore. Complètement différent. Alors ça, vous en avez des heures et des heures pour le regarder, mais des heures, hein. C'est une histoire assez extraordinaire. C'est chez Gallimard Jeunesse, ça s'appelle Sam et Jula au théâtre, La Maison des Souris. Alors regardez, alors ça c'est, je vais vous le montrer, c'est vraiment, je vais vous montrer quand même la maison au début. Regardez, c'est des souris tricotées avec tout est, c'est des photographies, c'est-à-dire que le décor existe, hein. C'est l'histoire de Sam et Julia, donc ils vont aller au théâtre. Regardez, c'est quand même extraordinaire. Vous avez pour des heures et des heures à regarder. C'est un boulot monstrueux. Monstrueux. Regarde, attends. Voilà, l'entrée du théâtre avec les petits personnages. Je sais pas combien ils ont fait, ils ont mis de temps à faire ça. Moi, j'adore regarder ce truc parce que vous pouvez regarder, tout est fait, les petits verres, les... Regardez, le gars qui a fait les livres, là, les morceaux de papier, c'est pas possible. Moi, je me flingue. C'est tout en poésie, vous pouvez raconter tas d'histoires sur chaque image, c'est une merveille, pour moi c'est un chef-d'œuvre, c'est Sam et Julia au théâtre, La Maison des Souris, c'est Gallimard Giboulet, voilà, je crois qu'on a fait le tour.